Tu l'as regardé, t'as mis une note? Ça, mais... Oh, j'étais par contre. La plus grande convention Pokémon de l'histoire et j'ai pas été invité. On va aller gratter des boosters, on va aller rencontrer les abonnés, on va aller signer des cartes et tout, ça va être trop bien. Direction Paris, c'est parti! Et dans cette vidéo, je te fais gagner une display de Tempête Argentée. Pour la remporter, c'est très simple, t'as juste à t'abonner à la chaîne YouTube, mettre un petit like, un petit commentaire. D'ailleurs, sur la boutique, on fait un box rock exceptionnel avec des boosters mystères, alors fonce! La famille, on est arrivé, espace Champéret, regardez, c'est à l'intérieur. Vous voyez ici, Gala TCG. Donc on va voir un petit peu si c'est bien, on va attendre mon chat, les gars. Pas l'air d'avoir grand monde, je pense que les gens ils sont à l'intérieur. Les gars, on est parti dans une boutique là pour prendre un. Un salut Mohamed, ça va quoi? Ça va, tranquillement. Pourquoi tu zoomes sur ma tête? Non, raconte-moi l'histoire. Regardez les gars, il peut signer quoi les frères? Alors ça c'est la première carte que j'ai ouverte depuis que j'ai repris il y a un an. Et je connaissais pas ta carte à l'époque, donc j'ai fait CGS. Mais cette carte elle a une putain de symbolique pour moi. Et en plus tu m'as fait signer. Ouais, exactement, à toi et au petit Pokémon. Et c'est le pire youtubeur Pokémon de ça. Les amis, je suis avec un frérot, regardez le classeur qu'il m'a montré. C'est pas possible, t'es une superstar, comment ça, t'as quel âge? T'as 8 ans, t'as ça? C'est pas possible, oh. C'est quoi ça? Les gars, c'est quoi ce délire? Bon, les amis, je suis pas encore rentré, que c'est un peu le bordel. Là, on a un frérot qui m'offre un truc. Le 3K challenge. Oh, exactement. Bien, le flic a un challenge. Donc, okay. À l'intérieur, regardez. Ok. Il y en a une que tu gardes pour toi. Ok. Et les autres, je donne. Une que tu fais gagner aux abonnés. D'accord. Et une que tu gardes secrète. Ok. Et ensuite, tu rajoutes 2 cartes. Ouais. Et tu renvoies ça à un ami youtubeur à toi. Oh, vas-y, stylé. Vas-y. On fait une espèce de chaîne. On fait une ça, chaîne et vas-y, c'est bon. Bah, je vais faire avec Moha. Eh, tout le monde me fait signer Dracolos. Attends, la page, elle est magnifique. Ouais. Oh, voilà. J'ai celui-là en français qui est en gradation, là, chez PCA. Oh là là. La double page, là, c'est validé. Ouais. Bon, la famille, ça va être compliqué de rentrer dans les allées. Là, je suis à l'entrée et j'ai toujours pas bougé de 3 cm. Donc, on va essayer de rentrer. Ça va être compliqué. Les gars, mis sous commando, il faut qu'on arrive à passer. Moi aussi, je vais monter sur la scène. Regardez, les gars, il y a la scène de ouf là. Où ils sont? Comment ça? Moi, j'ai payé. Bonjour, Romain Chat. J'aurais quelques explications à avoir. Bonjour. Oui, j'ai payé ma place. J'ai payé aussi le Uber. Ce qui fait un total de 104,25€ parce qu'il y a le Stabilou aussi que j'ai compté. Oui. Ah oui, signé par Arita. En plus, c'est magnifique. Ouais. Merci les gars, ça me fait du bien pendant cette période de célibat que je vis. Donc merci énormément les frères. Mais tu vois, ils acceptent les paiements crypto, mais ils acceptent pas la place à Kibiki. Et ça, c'est quand même quelque chose de dingue. Unique au monde. What the fuck? Mais attends, mais c'est une dinguerie. Attends. C'est un truc de fou les gars, c'est une planche de carte X. Ou pas, là? Ouais, Inzes Collect. Avec vos millions d'euros, vous pouvez pas facturer Kibiki 100 euros. Hein? Non mais c'est ça, vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Avec le nombre de photos qu'on prend avec les gens qui nous aiment. Eh, le stand il est magnifique. Oh, Metalo 7 est magnifique. Oh là là. Regardez les gars, les boosters de dingue. Invest ont vraiment des dingueries. Hein. Glaciation Plasma. Oh, ici on a des blisters. Ouh, les decks ici les amis, Aquapolis, c'est de la folie. Oh, je vais peut-être la prendre les gars, la Pokébox, elle est vraiment belle. Aquamama. C'est quoi le prix de la Pokébox? 160, il a dit Vincent. Ok. Donc 100 pour Kibiki. Ok, ok. Ça, c'est toi qui dis ça. Attends, mais ça c'est bien vidé. C'est pas le pire celui-là. C'est pas le pire? Tu regardes le blanc, il n'y a plus rien. La journée vient de commencer les gars, ils sont déjà vides. Invest. Magnifique. Peut-être ça pour un souvenir aussi peut-être. Espèce Delta les frères, l'une de mes séries préférées. Elle est magnifique cette carte, franchement. Pourquoi Romain il me l'a pas montré quand je suis venu chez lui? Ah c'est pour ça. Vous m'avez vendu les restes. Vous n'avez pas honte? Alors on me vend les restes. On me paye pas la place. Ok. Excusez-moi les frères, vas-y, faites vos achats. Ok vas-y les gars, dernier booster pour le frérot. J'espère que ça va être de la frappe. Je joue son dernier booster Zenith Suprême. On va voir si on se fait Jason. Tu penses qu'on va se faire Jason ou pas? Tu penses pas? Moi je pense qu'on va se faire Jason. Mais on sait jamais les frères. Un petit booster. Allez, tu sais quoi? Je suis de manière gentille. Si t'as rien, je t'offre une carte. C'est bon? Mister. Et c'est Jason! Bon allez! J'ai toujours des surprises pour les frérots, les gars. Toujours une petite surprise dans la poche de Kibiki. Toujours les frérots. Regardez, on m'a offert ça. Kimi Raidon X. Mon frérot. C'est pour toi. Bah, avec grand plaisir, tiens. C'est à toi. Ah, vraiment? Je te donne vraiment. Ah, tu crois que c'est fake? Moi, je fais pas des vidéos fake, hein. Non, oui, c'est à toi. C'est moi qui te le donne. Comment ça, t'as été invité? Non, mais c'est une dinguerie.
Et moi j'ai pas été invité. On n'est pas. Ah, on n'est pas Kibichi, c'est ça. On n'est pas Kibichi. T'as trop d'abonnés. Ouais, t'as trop d'abonnés. Ouais, voilà, voilà. Nous, moi c'est plaisir assez. Aux gens. Lui et moi on a pas assez. Plaisir aux gens. Donne. Regardez les gars, on vient de m'offrir un latte, c'est magnifique. En plus c'est la promo. Alors maintenant les gars, je vais vous montrer comment s'infiltrer dans un stand d'échange avec classe. Bonjour tout le monde. Salut Kibichi. Moi aussi je vais faire. Ah là vous dites bonjour les gars. Ah là vous dites bonjour. Allez, je vais m'asseoir et on fait des. Alors pour une fois qu'ils ont fait un truc bien, le gars là, faut le dire. Je veux bien que tu parles de moi dans ta vidéo. Comment ça, je dois parler de toi dans ta ma vidéo? Comme tu veux. Ah, pour vendre, c'est ça, tu veux. Non, pas du tout, j'ai un Insta. Ah, t'as un Insta? Ok. Oh, bien. Le millionnaire le plus mignon de France. Bah, attends, tu t'achètes ça où? En brocante? Ouais, vérifie. Mais va sur mon Insta, je m'y. Ah, vas-y, vas-y. Franchement, non, pour de vrai, pour un mais ça, c'est vraiment uniquement brocante. C'est des états classeurs, mais oui, j'ai un beau classeur. Comment ça, tu sais combien je l'ai payé? Ça aussi, moi, je suis pas arnaqué. Ah, c'est combien je l'ai payé, ça, là? Mais si tu regardais mes vidéos, tu saurais combien je le paye. Mais, allez, Milobellus contre le Vigorod, c'est bon. Attends, faut faire la boîte, la poignée de moi, tu connais pas, tu regardes pas les vidéos? Voilà, merci. Et voilà, l'échange qui a été fait, les gars, je me suis fait arnaquer de ouf, mais on est en bleu sang. Oh là là, l'arnaque. Je me suis créé un stand dans le gala, parce que bah, tu connais, Kibichi, on est toujours obligé de faire la va-vite. Du coup, on va signer des cartes. Petit booster Néo, on va l'ouvrir maintenant, là. Ça va être une dinguerie. Oh, le silence. T'as une paire de 1-1 énorme d'ouvrir ça, je te le dis. Hein. Surtout que c'est Kibichi qui te l'ouvre. J'aurais... Faut pas parier sur moi. C'est magnifique, les gars. C'est magnifique. Oh là là. Ah, ça donne envie de faire un petit event là. Je quitter la famille. Allez, on y va. Allez. Oh, ouais, c'est pas mal. Franchement, ça va. Ça passe. Franchement, c'est bien. Non, franchement, c'est bien. Allez, magnifique. Ouais, ils ont un stand de fou, eux. Attendez, je vais rentrer dedans. Ouais, Souka, ça paye les brocantes, hein. Du PC à 10, les frères. C'est rare. Ici, on a une banderole uniquement avec du PC à 10 et du PS à 10. Là, regardez, Charizard. Mais comment tu... T'en as tellement que tu peux même pas les mettre en valeur pour les vendre. C'est une dinguerie. C'est trop des grossistes sur ce stand. What? Prends un au hasard. Un au hasard? Prochainement. Attends, mais... Frère. Il y a des trucs de fou furieux, hein. Mais pourquoi t'as pas... Pourquoi t'as pas ouvert une boutique en ligne, toi? Mais, frère, c'est pas possible tout ce que t'as. Mais c'est n'importe quoi. Attends, tu veux voir des trucs beaux? Oh, montre. Oh la dinguerie, les gars. Non, t'es trop un grossiste. Est-ce que tu vois ce que c'est ou pas ça? Oui. C'est que des dingueries là. Comment t'as trouvé des trucs comme ça? Mais frérot. Je te jure, c'est non, je te jure, c'est abusé. Tu crois qu'on joue ou quoi? Non, je vois que tu joues pas. Oui, bah bien sûr que je connais. Voilà. Aïe, 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 on est sur des items d'exception là. D'exception. Même ça, c'est une galère. Hein. Je mets d'épée. Oh là là, regardez ici sur les Pokébox et tout. Franchement, je suis choqué. Des Néo. Mais frère, tu me sors ça de. T'as 1 million de personnes qui sont là, tu me sors des trucs de ta cave. On peut pas tout mettre. Non, ils sont pas. Voilà, pose-moi ce genre de choses. Non, mais là, c'est pas possible. C'est pas possible. Magnifique, sérieux. Tout ça là, c'est non pesé. Non pesé. J'ai une deuxième boîte pleine. Non pesé, mais tu as les poids quand même. Non, on les vend non pesé. Ah, tu les vends non pesé. Je prends au hasard. Ah, ok. Voilà. Ok, d'accord. Les poids, en fait, c'est pour indiquer. Si indiquer, c'est un. Ok, d'accord. Ok. Ça, c'est un booster long. Et tu le vends comme ça normal. Ici, on a l'évolution céleste. Ça, mais oh, j'étais par contre. Hey, les gars, il y avait Fastbeat Cuisine qui est venu en incognito. Et les gars, comment je transpire, c'est grave, j'ai des photos avec tout le monde, j'en peux plus. Je suis venu, j'étais parfumé, j'étais bien. Là, je suis KO la famille. Il revient de vacances, c'est pour ça, là. Il est frais. Je suis prêt là. Bon, les amis, je suis avec monsieur Incognito. Incognito. Incognito, faut dire. Et là l'achat. Oh là là. L'achat, je vois le sourire. Non, là, ils sont en panique. Ils sont en panique là. Regarde le nombre de cartes. C'est l'achat de la matinée là. L'achat de la matinée. Oh là là. Avant manger. D'après ces messieurs, ça vient d'une ETB buggée. J'espère que vous n'êtes pas trompé, hein. Bah 5 boosters, 5 ultra rares. 5 boosters, 5 ultra rares. Ah, m'a pas l'air buggé ton ETB, mon pote. Ah, c'est Jason. Bon, c'est pas grave, mon frère. Comme d'habitude avec Kibichi, on a jamais rien. Tiens, je vais t'offrir une carte, mon frérot. Ah, tu bois l'eau classe, toi, en plus. Tiens. Je vais te faire voir aussi. Non, mais je te dis pour la prochaine fois. C'est pas dit. Oh là là. C'est un malade, lui. Non, je rigole. Bon. C'est pour vous. Film. Ouais, le gars, il m'a sorti ça comme ça de son sac. Est-ce que t'as un bon stylo? Parce que le mien, il signe pas bien. Regardez la transaction sombre. Non, on range. Non, mais là, c'est pas possible. Non, mais ça va partir directement emballé, protégé à la maison. À la maison ou dans le coffre? Non. Ah. Ah.
brouiller les pistes. Il faut, faut brouiller les pistes. En maison. J'ai même pas une maison. Sérieux? Je suis en voyage, bon. C'est vrai, c'est vrai. Oh là là, ça c'est beau par contre. Hein. Magnifique. Et vous avez remarqué? Beaucoup, beaucoup d'anglais. Ouais, moi je suis que en anglais. Mister Voyage, c'est pour ça. J'ai eu la chance d'en ouvrir un en plus. Oh, à la caserne. À la caserne. Quand j'adolesse. C'est une dinguerie quand même. Ça, j'en ai envoyé chez PSA aussi. Et tu vois, là, c'est du Blockex par exemple. Ouais, ça, on a apprécié un peu. Oh là là, moi je kiffe. Première édition. Oh là 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 là. Ça, je l'ai dans mon classeur là en plus, en français. Je n'ai plus que je l'ai acheté. Latios, Pokémon préféré. Ah mais t'as, là t'as craqué le. Là t'as craqué le budget hein. Franchement, j'espère bébé Tigan ça continue. Bah, sinon je revendrai. Bah, sinon tu revends tout. Autant de l'achat. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Ah, t'as acheté des trucs? T'as acheté ça où? Là, là. Je viens de dépenser des sous. Toi? En fait, j'ai fait un trade et j'ai dépensé des sous. Lui, dépenser des sous et il dépense pas des sous pour moi. En vrai, est-ce que tu connais? Sincèrement, non. Mais je les ai vus sur Card Market, j'ai fait ah ouais, c'est cher. Alors, en fait. Tropical. Et le truc, c'est que tu vois, ici, il y a écrit championnat du monde donc 2005. 2005, ouais. Donc c'est vieux. Et là-dessus, t'as un petit truc qui est écrit là, tu vois. Top 32. Ah, c'est quand t'étais top 32 du tournoi. C'est le top 32 des World qui avait ça. Cette carte-là. C'est une dinguerie. Voilà. J'avoue, c'est une dinguerie. Et en plus, chez Beckett. Là, on est sur des cartes, on s'en fout qu'elles c'est soient vrai. Ouais, ou c'est pas, vrai, c'est vrai. On s'en fout complètement. Tu les as achetées où? Enfin, t'as trade. Il y a 30 secondes là. T'as trade ça contre quoi? Contre une display scellée. Ouais. Diamant et perle, présent ça. Anglaise. Anglaise. Ah, c'est en français, je me suis dit, Romain. Un petit rajout de ma part. Sincèrement, même pour le prix, c'est pas si cher pour une carte aussi dure à avoir en vrai. En vrai, j'ai même pas regardé la cotille. Ouais. Dis-toi que c'est le top 32 de 2005. C'est un, ouais, c'est impossible à avoir. Surtout, c'est des tournois où il y a vraiment beaucoup de monde. C'est le championnat du monde. Ouais, c'est ça. T'as masse monde. Hein. Ah ouais, ça c'est si cher. Ouais, top 32, c'est une dinguerie. La carte la plus exceptionnelle de Pokémon. Et il y a un guest derrière qui vient d'apparaître. Et il y a un guest. Et il y a un David Sauvage qui apparaît. Ça va ou quoi? T'as vu, j'en tremble tellement j'ai. T'en trembles. Ah, du coup, tu l'as regardé, t'as mis une note? Ouais, ouais, parce que du coup, bah, vous le verrez dans la vidéo, je vais pas vous utiliser. Ok, ok. Non, mais, non, je vais pas vous utiliser. Tu n'utilises pas? On est sur. J'explique dans la vidéo pourquoi je le fais en fait. C'est la carte la plus mythique de Pokémon là. C'est la carte iconique de Pokémon. C'est une dinguerie. C'est la plus rare, mais c'est la plus iconique. La plus iconique. Nul. Le japonais, c'est pour les pauvres. Est-ce qu'il a tort? Il a pas tort, non mais c'est exceptionnel. Tu regardes, on va regarder un petit peu. Là, il y a personne qui l'a vu dans. Regarde, en fait, c'est par quoi ça? Tu vois le défaut de surface qu'elle a? Ouais. Elle est bien visible, hein. Fiche. C'est pour ça. C'est... Je kiffe le case, je kiffe l'étiquette. Moi, c'est une carte que je perds de la valeur à la fin. Regardez chez toi. Bah oui. Ok. Regardez qui voit l'âge. Va quoi, mon frère? Vas-y, montre-moi. Les gars, pour ceux qui connaissent pas, Bobby, on a fait une vidéo sur sa collection, c'était génial. Oh là 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 là. Vous avez ouvert ça, en fond. T'es ça 10? Eh ouais. Oh yo yo, let's go. T'as eu beaucoup de 10, hein, quand même. Hein. Ouais. C'est quoi les autres cartes que je veux bien avoir? C'est beau ça. Hein. Oh là 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 là. T'en avais envoyé deux, tu m'avais dit, t'en as vendu l'autre? Non, c'était Lugia. Ah, c'est Lugia, t'as vendu du coup? Tout le monde m'a envoyé des messages derrière me disant, ah, tu t'es fait niquer de fou. Ah ouais? Tu te rappelles? Ouais, ouais, je m'en rappelle, ouais. 600 et derrière, ça a bien chuté. Ça a bien chuté, ouais. Je m'en suis sauvé, ma carte, je l'ai payé ce prix-là et je l'ai gradé. Bah, je l'ai dit sur les deux. Oh, magnifique. Moi, je suis trop content de te voir. Là, je suis KO, là, j'ai fait 1000 photos, mais je suis content. Attends. Bon, les gars, je suis parti pendant 3 secondes, regardez le monde de dingue, je sais pas comment on va s'en sortir. Oh là là, quelle est cette société de gradation? Vous avez vu, là j'ai trouvé une petite table ici, on va essayer de la prendre, on va faire un stand d'échange. Parce que regardez, je sais pas, vous vous rendez pas compte, je me suis caché, il y a un monde de dingue et je peux pas marcher 2 minutes sans me faire arrêter. Du coup, on va essayer de faire un petit stand d'échange, ok? Voilà les gars, vous avez vu? T'as vu, il a dit, regardez les gars, j'ai créé mon stand. Ah, c'est pour les enfants, regardez, lui ça se voit, il veut m'arnaquer. Ouais. Ah ouais, ah, tu dis oui quand tu veux m'arnaquer, hein? Que du jab sur ce classeur. Ouais, c'est que du japonais sur ça. Attends frérot, tu l'as vendu 306 euros. Ah ouais, c'est les bons prix ça. Regardez, je vais placer plein de petites cartes les frérots. C'est un bon youtubeur Kibiki. Ouais. Là on a un frérot, il vient de faire des achats. Magnifique le Lugia. Ouais, vraiment magnifique. Super beau. Elle est magnifique ta petite boîte, ça je valide ça. Regarde ce qui se balade. Oh, magnifique. C'est devenu un stand de vente, votre truc là. Mascache. C'est beau là, c'est bien. Bah, on essaie de changer un peu. Là, c'est bien. Quand même. C'est bien. Du coup là, tu t'es fait un stand là?
Ouais, c'est moi qui vends tout ça. Ah, c'est toi qui vends tout ça? Évidemment que non. Hein. Ouais, j'imagine bien. Bon, les gars, je vous dis, c'est vraiment difficile de filmer. On se fait arrêter quasi tout le temps. C'est trop bien. Mais tu vois, c'est pas possible. Regarde, là, on marche, on filme, ça va. Dans 3 secondes, ça va être mort. Je vous montre c'est quoi la vie d'un vendeur dans un gala. Donc là, regardez, t'es bloqué dans le stand comme ça. T'as tous les trucs devant toi. Eh, c'est trop stylé, on dirait la caverne d'Ali Baba. Ah, il y a du CCC et tout. Magnifique. T'as des boosters Berserk, alors moi je suis un grand fan. Je savais pas qu'ils avaient sorti un TCG, je trouve ça trop trop beau. Oh là là, c'est magnifique. Je m'attendais pas à ça. Voilà, c'est mon côté fanboy, je te jure, je m'attendais pas à ça. Hein. Il se prend pour qui? On a aussi ici les gars, le stand de l'Orcana. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'Orcana, c'est un tout nouveau TCG et on va le vendre aussi nous aussi sur la boutique. Donc regardez là, c'est ici. En fait, ils font des sessions pour tester le jeu, etc. Par contre, il faut faire la queue et tout. Et vous. Allez, il va venir nous retourner. Ah, voilà, on va retourner tout ça. Bah oui, je peux rien acheter. Je suis bloqué à chaque fois. 300 balles. Ah, c'est en japonais. C'est en japonais. Ouais. Ça va, ça c'est va. Thomas après, hein. On connaît Cards Hunter. Voilà. Ah, c'est Thomas qui a mis les prix? Non, alors, sur les cartes récentes, c'est ouais, Thomas. Ouais, pas tout ce qu'il y a. Non, alors écoute, Thomas, il a pris quelques prix. Ça, c'est joli, ça. Ça, c'est du beau. Ça, c'est du beau. Ça, c'est du beau. Mais voilà, non, ça, les vraies cartes, c'est les miennes, et celles de Thomas, elles sont ici. Ok, donc ça, c'est des vraies cartes. Les vraies cartes, carrément, on met pas de prix. Non, elles n'ont pas le prix parce qu'elles sont en expo, mais j'ai okay. Elles sont à moi, mais c'est pas des vraies cartes. Donc ça va, là, ça va, sur les prix, c'est ok. Des choses intermédiaires, tu vois. Là, bizarrement, dès quand on monte ici, c'est Thomas, c'est cher. Et voilà. C'est bizarre. Voilà, c'est fou, mais c'est fou quand même. C'est fou. Ouais, non, mais c'est Thomas de Card Hunter. Ouais. Un escroc. Un escroc. Avec Flyome. Avec Flyome. Il faut le dire, avec Flyum, les deux, c'est bon dire. Là, tu m'offres du contenu, les amis, le frérot, regardez ce qu'il m'a dit, ce qu'on ouvre là. Il m'a braqué. Tu t'es braqué? Un 3-4. Ouais, c'est un 3-4. Pyrax. Entre TikToker, les amis, attention. Chardoé. Aïe, 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 aïe. Allez, 1, 2, 3, 4, c'est parti. Tu le sens bien ou pas? Bizarre. Moi aussi, je crois que c'est très bizarre, hein. Allez, une petite étoile. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. On n'a pas eu un drop. Aïe, 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 aïe. C'est quel stand qu'on aille se plaindre? Vous êtes chaud, réclamation? C'est GST et tout, les gars. Oh là là. Encore un contenu de qualité sur la chaîne de Kiliki. C'est dingue, les gars. 10 boosters, rien. Là, je t'ai volé 100 euros, là. Ouais. Voilà. On rigole, mais c'est une catastrophe ce qui vient de se passer. C'est la plus grosse clim de l'histoire. C'est la plus grosse clim de l'histoire. Il m'a déjà pris 100 euros hier sur son live. Vous avez peur de vous faire Jason ou quoi là? Ouais. Ça va le faire. Il y a quelque chose, les gars. Oh. Aïe. Venez les frères, petit Thanatos. V, ténèbres embrasées, Sibnikov. Merci. Avec plaisir, attention. Eh les gars, ce gars là, c'est n'importe quoi. Il y a des mecs qui sortent avec des stacks random, ils nous sortent des dingueries là. Ah, ça fait plaisir. Oh là là, magnifique ça. Très très beau. Oh la dinguerie. Tu me le donnes vraiment? Frère, je suis trop heureux. Pour de vrai, je suis vraiment heureux de dingue là. Mais frérot, j'ai envie de les garder scellés, ça te dérange pas? Les gars, c'est une dinguerie. C'est un de mes TCG préférés. J'avais pas de booster scellé, je suis trop content. Comment ça, on pose ça sur la table? Vous avez pas honte, les gars? Tu veux un booster lourd pour de vrai? Ouais, mais franchement, ça me ferait plaisir que tu me l'ouvres pour moi. Parce que sérieux? Eh, je jure, on se met dans une table, on fout le spell. Vas-y, c'est parti. Il est cher le plaisir, hein. On les a plusieurs. Alors, est-ce que je peux avoir un assistant sliver? Oh, le stress qui monte, les gars, j'aime bien. Je sais pas si ça a combien, peut-être 5e, hein. Tôt, les gars. Oh là là, on cool. J'ai peur, les frères, j'ai peur. Attention. J'ai très très peur. Mes mains tremblent. Oh. C'est très beau. Ça reste très très beau. C'est très très beau. Oh. Bon, c'est maintenant, les frères. Soit c'est Jason. Soit c'est pas Jason. Soit c'est pas Jason. Faut y croire. Aïe. Va me détester, gros, aussi. Mais ouais, plus personne va vouloir que j'ouvre des boosters, c'est ça. L'homme le plus riche de France, montre-moi, t'as des trucs à montrer. Ah non, mais là, t'as pas rigolé quand je m'as dit des cartes. Tu m'as dit des grosses cartes. Ah ouais, attends, je vais vous montrer. Wesh, frérot, tu sais que là, en une carte, t'as tout mon patrimoine.
n'abuse pas. Si. Absolument. On sait tous pour les maisons aux Bahamas. Pour les comptes offshore et tout. Ouais, 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 doucement. Parle doucement, s'il te plaît, mon pote. À tout moment, on va avoir des. T'as 8300. Ouais, c'est pas deux. Tu peux la mettre. Il y en a que deux. Il y en a que deux dans le monde. Tu l'as eu en brocante en plus. Ouais, la brocante, elle est juste à gauche. J'en suis chez une des collègues. Il y a ça, après, il y a ça. On n'en voit pas souvent, mais c'est rare. C'est de la dinguerie. En neuf, c'est beau. Oh là là, ça, c'est de la folie, ça. Oh là là. Magnifique. Eh mais j'avoue, vous vendez des dingueries en fait. Magnifique le stand. Quand il marche, on dirait Inspecteur Gadget. J'ai jamais vu une 36. Ah ouais, merci. En fait, tu le vois pas, c'est juste écrit en dessous. Ouais, c'est exactement le même format que la 30 en fait. J'ai 10K, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais ouais, non, mais c'est normal vu la rareté de l'item. Là, les gars, c'est ultra difficile à avoir ce genre de display. Quand vous regardez le format, en fait, 4 en France reconnus. Purée. Vous l'avez racheté à quelqu'un ou vous avez. Ça. Ah, ok, magnifique. Franchement, ça, c'est un item de dingue. Hein. Vous avez d'autres petites pépites là à me montrer là? Il est très bien ce stand, j'aime beaucoup. Ah, basique, basique. C'est de base. Léger, j'imagine. Ouais. Vous les vendez combien les sets de base? 450. 450, ok. Indomptable, ok, sympa. Des petits stickers. Oh là là, ça aussi c'est très très beau. Hein. Magnifique. Indomptable aussi. Hein. Et après, là, tu te mais dis donc. Mais t'es sérieux toi? Ça va quoi? Ça va et toi? C'est même pas fait de la journée. Ouais, moi je suis très fatigué. Moi je suis mort. Hein. Je pouvais pas. J'avais que des photos. Ah ouais? Mais c'était bien, c'était ouais, bien. Ouais, ils viennent me voir pour les casses, sans mettre les couilles de moi. Ah, mais toi, non, toi, c'est pour la fame. C'est parce que je suis une merde en fait. Parce que t'es bronzé là. C'est parce que je suis bronzé. Je suis bonasse comme ça. Hein. Ah, t'es bonasse. C'est dommage que je suis. Ça, ce que j'aime, c'est que c'est tellement sous-côté, les gens se rendent pas compte. Ah, stylé les petites sleeves. Ouais, c'est ma copine, elle est illustratrice du coup. Sérieux? Ouais, ouais, je m'allais juste là. Trop bien. C'est vraiment joli, hein. Ouais, ouais, on a. C'est vraiment trop bien. Japonais. Ouais. Oh là 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 là. Elle est tatoueuse en vrai. Ah, c'est vrai, du coup, c'est toi qui l'as fait ça? Ouais, ouais, celle qui a dessiné. C'est trop beau. Mais vous avez pas peur de ramener des trucs comme ça? Moi jamais je ramène des trucs comme ça. Hein. Ouais, je sais pas. Hein. Après, moi mon classeur il a tourné partout aussi. Ça, c'est ma version préférée. Moi c'est la version préférée, la émeraude. Ouais, c'est trop. Hein. Et après, ouais. Alors là, on a un petit Pikachu de Nishida, c'est ça? Ouais, c'est ça. Petit Pikachu de Nishida. Magnifique. On a un petit Lugia de Koik au milieu du cyclone. Magnifique. Ça, j'adore. Attends, je vais la prendre comme ça. Les gars, ça, c'est de la carte de dingue. Là, il y a les 3D Oxys, il y en a un par Arita. Oh là là. Les trois illustrateurs phares, Chab. Ça, c'est Fukuda qui dessine les stars. Ça, c'est Arita, on connaît. Et ça, c'est Kuchi Saito. Je l'ai en français en plus ici. Là. Ça, c'est Kuchi Saito, j'aime trop cet illustrateur. Magnifique. C'est ah, mais attends, mais t'as fait grader toi ou t'as acheté directement? Acheté, ok. Directement. Et là, aujourd'hui, la petite folie du jour. Ok, Pikachu, magnifique. Ah oui, le Pikachu, c'est incroyable. Purée. Ça, c'est beau. Voilà. Ouais, t'as fait. Là, j'ai acheté ça aussi. C'est la Snap. Wow, t'as acheté combien ça? Là, j'ai acheté 300. 300, ok. Non pesé, non trié. Non pesé, non trié. Ok, bon, ça va. Kiffe bien. Et de ouf, merci la famille. Merci la famille. Merci énormément. Je sais pas ce derrière, j'ai vu. Oh là 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 là. Ça, c'est très important, je le cherche. Plein d'exemplaires. Ok. Oh, t'as trouvé ça où ça? Ça? Ouais. Sur Vinted, il y a un nom. Ah ouais? Ouais. De ouf. On s'arrête sur cette dinguerie. Et si tu veux me voir trouver des pépites dans les brocantes, t'as juste à cliquer juste ici.